Tiens, salut! Ça va, bande de fous! Les gars, dans un premier temps, j'espère que votre entrée s'est super bien passée. J'espère et je croise les doigts pour que vous ayez le meilleur emploi du temps et la meilleure classe possible. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, ce que vous en pensez de votre classe et de votre emploi du temps. Aujourd'hui, les gars, reprise des réactions trickshot avec une sélection muy caliente les papayes. Vous allez voir, il y a un niveau de fou furieux. Enfin, vous êtes toujours aussi monstrueux. Bien évidemment, pensez au pouce bleu. Objectif 5000 pouces bleus pour cette douce petite reprise. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. En activant la cloche de notification, bien sûr. Et directement, c'est parti mon kiki. Ok, alors les gars, on se retrouve directement avec zéro. Bien évidemment, le petit pouce bleu, ça va de soi. Et c'est parti mon kiki. Oh, j'adore cette musique. Je connais cette musique. Si. Tu travailles ? Oh là 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 là. Gigi. Oula, on va peut-être baisser un tout petit peu quand même. Parce que bon, quand même, il faut que j'entende mes oreilles. Donc il est avec Scott. Oh, oh, il est magnifique. Oh la pipine. Oh la pipine avec le silencieux. Un des trucs les plus compliqués à faire. Oh, ce snipe il est rincé. Ce snipe il est rincé, les cadeaux seuls. Le snipe silencieux. Nice. Oh dommage, pas la pipine, dommage. J'ai bien aimé le petit montage là, c'était sympa. Mec, non mais faut vraiment être fou pour trickshot avec ce sniper. Il est... Ok, il va enchaîner. Nice. Il y a pas beaucoup de pipine avec le Rayon quand même. Tu dis ça? Oh dommage, la pipine elle est pas là. Bon, bien évidemment, là on remarque qu'il y a pas beaucoup de 360. S'il y a la pipine, je suis content. Dommage, il y a pas la pipine. Dommage, y'a pas la... Je sais les gars, j'ai la critique facile, mais il faut... Ça fait pas mal celle-là. Il faut beaucoup de critiques les gars, sinon on peut pas progresser. Par contre, c'est quand même beau les gars, les trickshots. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a du charme. Ok, là y'a la pipine. Nice. Troisième. Oh la... Dommage qu'il était pas en planeur aussi celui-là, ça aurait été incroyable. Snipe silencieux. Mec, il a un bloom avec le snipe silencieux, c'est un truc de fou. J'ai pas ce bloom là, moi, avec ce sniper. C'est le seul sniper où j'ai pas un bloom de fou. En tout cas, zéro. On remarque. Oh non, les gars, arrêtez. Hein. Ne faites plus ça. Si jamais on a la chance, les gars, de revoir coup fatal avant la fin de saison, s'il vous plaît, ne jouez pas le Rayon. Il faut qu'on fasse une pétition. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes pour cette pétition et à liker ce commentaire, les gars. Il faut vraiment qu'on fasse une pétition pour arrêter le Rayon en coup fatal, c'est pas bien. Ok, au suivant. GG0, j'ai bien aimé ton montage, il y a des petites transitions et tout. Du coup, ça c'est sympa, c'est à prendre en compte. Ok, Rafur, directement le pouce bleu. Rafur, il me semble que c'est la première fois que tu passes. T'as l'air d'avoir une qualité incroyable. Ça c'est cool. T'as l'air d'avoir un bloom incroyable aussi. Ça c'est cool. Ok, il y a des réactions, ça c'est sympa aussi. Ok, il y a le 360, il y a la pipine. Il y a la réaction. Mais ce que j'ai pas compris, c'est... Je pense que c'était un de ses potes, parce qu'il était au-dessus d'un arbre. Donc c'est pas possible que ce soit... Bah, là c'est un joueur avec au-dessus d'un arbre. Je pense que c'est ses potes, je pense que c'est ses potes. Par contre ils sont incroyables, ton bloom est incroyable, c'est un truc de fou. Je pense qu'il a le code Swain de la boutique. Sniper Mano, Zilix, Rafur, les trois je les connais, c'est incroyable. En vrai ce qui est cool avec ces vidéos réactions, je me rends compte, c'est qu'au final je connais toute la communauté Trickshot, c'est un truc de fou. Elles sont violentes ces balles. La réaction elle était pas mal aussi. Ok les 3-6. Oh, s'il y a la pipine. Par contre, les shots qu'il met, ils sont incroyables, lui. Ils sont violents. Petit 3-6. Ah, dommage. Ah, dommage, il n'y a pas la pipine. Dommage, Rafur. Dommage, pas ouf. Franchement, pas ouf, Rafur. Pas terrible. Ok, Sailie aussi, ça me dit quelque chose. Oh, c'est simple. Cela, limite, je les trouve plus jolis, tu vois, parce que c'est simple, net, efficace. J'adore quand c'est simple. Oh, le petit silex. Oh, dommage. Il y avait le 3-6, c'était parfait. Oh, il y avait la... Oh, il était beau. Rafur, Rafur, je crois que je te connaissais pas, que je t'avais encore jamais vu. Mais il y a du niveau, là. Hein. Il a un shot, il est énervé. Oh, c'était stylé, ça. Très jolie petite animation avec le pont. Bien évidemment, je rappelle, les gars, toutes les chaînes sont dans la description. Non. Et n'hésitez...
Oh dommage, il n'y a pas la tête. Oh, mec, il a des clips, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, Rafio. Là, en fait, je pense le seul truc pour faire mieux, bah c'est le 3-6, la pipine. Et un poil plus d'acrobatie, tu vois. Ok, là, il va faire un truc de fou, là. Ça, je l'ai testé, je l'ai rentré, j'en suis assez fier. Il recharge. Oh non, dommage, mec. Oh dommage, il avait pas rechargé avant de sauter. Oh. Il doit avoir le seum. Il y a même pas de réaction, il doit avoir le seum. Ok, il va nous la refaire. La pipine. Oh dommage, putain, il était beau. Il est beau. Je pense que c'était bien 150 mètres. 120, 150. 4P. Oh, c'est le glitch. Oh non, mais ça, c'est le glitch. Il crève jamais. Mec. Il faut. Quand ils sont en cup, il faut des trick shots. Ok, Rafur, il a pas de respect. Rafur, j'ai franchement respect. Rafur, oh, plus la petite pub. Mais Rafur, directement l'abonnement avec la cloche de notification. Et franchement, Rafur, je vais suivre à l'affût tes prochaines vidéos parce qu'il y a du potentiel. Il y a du très gros potentiel. Ok, au suivant. Trixie. Ok, c'est parti, mon kiki. Trixie, ça me dit quelque chose, je crois qu'on l'a déjà vu. Après, j'en ai tellement vu. Oh, ça, j'adore, les gars. Les petites pubs de mon code créateur, les gars, ça, c'est. Ça c'est plaisir les gars, c'est. C'est le sang, c'est la famille. Ok, on va baisser un tout petit peu par contre parce que ça va péter d'un coup gros, on va pas comprendre. Par contre Rafur frère il a mis un niveau gros. C'est. En fait c'est dommage d'avoir Rafur en deuxième je pense. Parce que là bon courage pour les suivants. C'est la pipi, il est beau. Avec la petite animation, j'ai l'impression que vous kiffez la petite animation. J'ai bégayé parce que je savais qu'elle allait avoir un truc de fou. Oh, mec, mon instinct. Genre, j'ai bégayé, j'ai arrêté de parler parce que je savais qu'elle allait avoir une balle de fou furieux. En tout cas, franchement, vous avez des blooms de porc. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais vous avez des sacrés. Stylé avec la petite vachette. Faites entrer la vachette. Okay. Voilà, c'est ça qui manquait un petit peu chez Rafur, tu vois. Des petits acrobaties. Là il manque le 3-6, putain mais c'est jamais à 100%. Mec je suis jamais satisfait j'ai l'impression. Je suis satisfait tout le temps tu vois. Mais j'attends le trick shot où je vais être en mode waouh. Ok faites entrer la vachette. Le 3-6, dommage la pipine, dommage, dommage. En fait, de toute façon, toutes vos balles sont belles, les gars. Je me plains, entre guillemets, tu vois, mais toutes vos balles sont incroyables. Je pourrais regarder ça pendant une heure. Oh, wow, celle-là, elle est violente. Celle-là, il y avait la pipine, elle était très violente. Trixie, ce que j'aime bien aussi, c'est dommage. T'aurais peut-être dû mettre tes réactions un petit peu plus fort que la musique. Mais. Ça, je veux savoir, dites-moi en commentaire, comment ça se fait qu'ils sont tous sur les arbres. C'est quoi, c'est une nouvelle mode? De base, les gens, ils étaient sur des cônes, maintenant, ils sont sur des arbres. What the fuck? Quaz. Ces réactions, t'as, c'est dommage, mec, tu mets pas plus en avant tes réactions, parce que tes réactions sont vraiment incroyables. Tu devrais les mettre plus en avant. C'est ça qui est beau aussi dans la magie du trickshot et du sniper, les gars, c'est vos réactions. Oh, il s'est régalé. Simple, net, efficace celui-là. Simple, net, efficace aussi celui-là. Oh, franchement, les balles comme ça, simple, net, efficace, je les kiffe. Je les kiffe trop. Let's go. Okay. Oh non, c'est dommage, ça se finit comme ça. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas genre la bonne grosse pipine pour finir le games. Ok, GG Trixie. Au suivant, Mortadelle. Bon, Mortadelle, abonné très fidèle. Je vais avoir la critique très facile. Ok, c'est parti, mon kiki. Ok, il est en duo, je crois, avec Scope. Donc, Scope aussi, qui est déjà moult participation à son actif. Je pense qu'on va avoir du très haut niveau. Par contre, il n'y a pas de son. Ok, ça arrivait. Genre ils ont fait un petit montage et tout. Oh les gars, vous êtes cru aux anges de la télé-réalité ou quoi là? Ok, il y a le montage derrière. Ok, il y a le montage derrière. Oh let's go. Wow, mais gros en fait j'ai rien compris là à cause des effets. Ok, net, efficace, là j'adore. Nice. J'aime bien, le petit montage, c'est ce qui nous manquait dans cette compilation trickshot, tu vois. Ça fait du bien. Oh, let's go.
ça c'est peut-être l'effet, je suis pas trop fan. Genre les effets c'est bien les gars, mais parfois faut y aller à la petite dose. Là il y en a quand même beaucoup là. Mais c'est bien géré par contre, c'est très très bien géré hein. Franchement c'est archi propre. Bien évidemment les gars, je vous rappelle, n'hésitez pas à voter en commentaire. J'étais dans mes pensées mais genre je suis à fond dedans là. Il m'a envoûté son montage. C'est ça qui me régale les gars dans les... Oh la magie, ça y a que ceux qui sont vraiment passionnés par le sniper qui peuvent ressentir ce que je ressens actuellement, mais là je suis en plein kiff. Là je suis en plein kiff. Vous m'avez régalé sur cette... Oh là là, vous m'avez régalé les gars sur cette compilation. Oh, sur cette compilation Trickshot, vous m'avez régalé. Je pense que je l'aime bien dans le top 3 de celles où je me suis plus régalé. Oh là là, mais bon courage les suivants, bon courage les suivants. Au plus on monte, oh là là, et en plus il y a la pub. Non mais les gars, merci de me ralasse. Bon, Mortadelle, étant donné que t'es un abonné fidèle, je ne vais pas m'abonner parce que je te suis déjà suffisamment sans être abonné. Par contre, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. 45 abonnés, je pense que Mortadelle mérite bien les 500 abonnés. Ok, au suivant, Kezro. Alors celui-là, je me le suis mis vers la fin parce que je sais pas pourquoi, mais le titre, enfin je sais pas, l'ensemble de sa chaîne, je sais pas, ça m'a. Je me suis dit, lui, ça va être très lourd. Donc je me suis dit, vas-y, on va le mettre vers la fin. Juste avant de commencer la vidéo, c'est une compilation avec que des clips récents, saison 7. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à ma chaîne, donc la mienne et la sienne, ça fait aussi plaisir. J'essaye de faire du bon contenu autour du Trickshot. Bon visionnage. Ok. Déjà, rien que le titre et tout, ça se voit que c'est un mec qui fait des edits Trickshot, des trucs comme ça. Ok, la qualité déjà, elle est présente. La qualité, gros, elle est présente. On peut pas avoir mieux. Oh, cette petite carabine. Oh, elle me manque la carabine. Oh. Oh fuck! C'est, je vais verser une larme gros. La musique j'aime bien. Dommage qu'il n'y ait pas la vidéo. Il y a des réactions et tout, ça c'est cool aussi. Oh c'est la régalade cette compilation Trickshot. Non. Oh il était trop propre. Genre on aurait cru que t'avais un aimbot. Il s'est décalé d'un coup, il a tiré net. Genre il n'y a pas eu de droite, gauche, juste un droite. Il était trop stylé. Celui-là, je l'adore. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas vu beaucoup de trickshot. Wow, un peu plus le mec le tuer en l'air. Je suis mort. J'ai pas vu beaucoup de trickshot avec le pistolet où on peut jeter des objets. Je trouve ça bizarre parce qu'on peut en faire quand même pas mal. C'est dommage qu'il fasse. Les gars, par contre, j'avais passé après Rafur, Shida. Ah bah, c'est tout le monde, mec. C'est le plus compliqué, je pense. Passer à la fin, c'est plus dur. Ok, des requins, j'en ai rarement vu. Ça va changer un. Oh, dommage, le petit 36, la pipine, c'était parfait. Celui qui arrive à compter le nombre de fois que j'ai dit pipine dans cette vidéo, franchement, bravo. Ok, il est pas fan. Il a pas envie de se faire galère. Vous êtes pas fan des 360, les gars. Je sais que je vous casse les couilles avec ça, mais ça rajoute un petit charme, tu vois. Après, ça dépend, parce que ceux qui ont une très grande sensibilité, en vrai, vaut mieux pas. Parce que ça ressemble à rien. Mais quand vous avez une sensibilité où t'as le temps de voir le 3-6, en vrai c'est stylé de ouf. Ça j'ai jamais compris comment on faisait. C'est stylé, simple, efficace. Y'a pas de... Tiens, je suis désolé Kezro, tu vas croire que je m'ennuie. Mais en vrai je suis à fond dedans et j'attends la petite balle. J'attends la pipine, on n'a pas vu du coup de pipine là. Là je commence à être en manque. Oh non les gars, non. Oh non les gars, il faut jamais finir une vidéo sans pipine. C'est pas, c'est banni ça, c'est banni. C'est pas le droit. Ok, bien joué Kezro, en tout cas vous me régalez. Ok, en suivant Zilix, c'est parti. Mais les gars, ils vont finir par croire que je vous paye pour mettre Cutswell à chaque début de vidéo. Je ne paye personne les gars, je ne demande rien. Merci à vous vraiment. Ça là c'est du forcing un petit peu. Ok, Mortadelle avec Rafur. Ok, là il y a une belle clique, donc je pense qu'on va encore avoir droit à de très beaux trickshots. Au niveau du skin, bon, c'est la régalade. La pipine, la pipine est présente. C'est beau, c'est beau. Là en fait, pour finir la compilation, j'ai juste envie de me taire en fait, de regarder et profiter. Mais je sais que si je dis rien, ça va vous ennuyer vous. Et après je vais me faire engueuler en commentaire. GG. Ok, GG. Ok.
C'est 3-6. Non, mais 3-6. Oh non. T'aurais fait le 3-6, t'aurais touché la pupille. J'en suis sûr à 100%. Ah, voilà le trickshot que j'attendais. Nice. Et ben, on les aura tous eu. C'était un trickshot comme ça que je voulais voir. Et ben, je l'aurais vu. Je suis content. Ça frime. En vrai, les trickshotters, c'est grave, mais genre, ça frime de ouf. Vous avez tous des skins de porc. Pourquoi vous avez tous au moins un skin de porc, genre. Ah ouais, vous êtes pas fan, hein. Vous êtes pas fan des 360. Je viens de remarquer les manettes Zilix. Ça doit être pour ça. S'il a une grande sensibilité, je comprends. Nice. Mec, limite, je préfère un truc comme ça que là, si tu le tyrannoscope, tu vois. Le fait que tu vises, ça rend le truc encore plus beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Efficace, j'adore. Putain, ça doit être chiant pour vous qui regardez la vidéo, parce que des fois je parle de choses. Et la balle est tellement belle que hop, je stoppe et du coup il n'y a pas de suite. Voilà, la conclusion. C'est pas la fin. Ok, donc j'en veux encore une. Je veux encore une bipine avant la fin de cette vidéo. Là, je pense que c'est le first try. S'il la met, ça va être le first try. Je pense que c'est first try, donc c'est beau. Ok, merci pour la pub, ça finit en beauté. Merci infiniment, Zilix. GG à toi en tout cas, c'est agréable. Agréable montage. Ok, directement Xorax, une petite douceur. Je sais, la vidéo va peut-être être longue, mais en vrai de vrai, toutes les fois que je vous ai demandé si les vidéos trickshot, ça vous dérangeait qu'elles soient longues, vous m'avez tout le temps répondu, au plus c'est long, au plus c'est bon. Alors, c'est parti mon kiki. Ah mais là, les gens vont croire que je vous paye, les gars, c'est pas possible. Ok, deux têtes, nice. Ok, le petit montage derrière, c'est sympa. En fait, les gars, les petits montages comme ça, pour moi, ça, c'est pas grand-chose, mais ça révèle beaucoup sur votre personnalité. Et ça, c'est trop cool. Oh, attends, il est resté visé longtemps, là. Il les a explosés. Par contre, les gars, visez pas au rayon de près comme ça sert à rien. Ah, je vais... ouais. Bon, ça. Voilà, tu vises, le mec bouge pas. Mais ça reste beau quand même. J'adore le montage, par contre. Oh, le niveau, les gars. Oh là là, ça va être la guerre dans les commentaires pour élire le boss de cette vidéo. Parce que, bordel. Là, c'est compliqué, hein. Rod tous 1000 abonnés. Combien est-ce que tu as, Xorax? 428. Messieurs, à vous de jouer. Et bien évidemment, on va finir en beauté avec Madgus. Là, les gars, je sais, bon, ça va vraiment être long. Mais genre, vous êtes énervés. Vous êtes trop vénères. Et ça, j'ai vu, la vidéo était en 4K et tout. Donc, je me suis dit, obligé. Faut qu'on la regarde. C'est obligé. J'ai envie de récompenser les personnes qui ont une qualité de ouf. Et qui ont un travail de ouf derrière. Si le maintenant on se coffe. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Par contre les gars, les clips à la carabine, on va arrêter. Les clips à la carabine, ça va être banni pour le prochain épisode. Je veux aucun clip à la carabine. Tant qu'elle est pas de retour, je veux plus la voir. Ça fait trop mal au cœur. S'il y a bien un item que j'aimerais revoir en saison 8. Bon, il y en a deux. Ce serait la carabine et le barrette. J'aime bien le montage, c'est simple, net, efficace. J'aime bien le genre de montage où c'est pas trop. Genre il y a une belle qualité, il y a des beaux effets. Le stuff de Rick Roos. Voilà. Oh, vous êtes des génies. Trop fort Magus. Oh là là, mais j'adore. Mais le montage, il a des idées de ouf. Et en fait, limite, du coup, les idées de début là, c'est de la merde comparé à ce qu'il fait là. C'est incroyable les idées qu'il a. Madgus, ça va être à surveiller celui-là. Oh, le montage, mec, j'adore. Tu t'es régalé. Je pense que tu me régales aussi tous. Moi, en tout cas, je me régale. Et je pense que tu t'es vraiment régalé. Ah, oui, c'est vrai. Oh, ouais. Oh, il s'est régalé. Les gars, je suis désolé si la vidéo est extrêmement longue. Mais je suis obligé de le faire passer. Je regrette pas du tout de l'avoir fait passer. Genre, en fait, en général. Après, je revois au montage, mais là, mec, le montage, ça va être trop compliqué. Vous êtes trop fort, la vidéo, elle va durer 20 minutes, gros.
Mais honnêtement, si ça dure 20 minutes. Oh, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est 20 minutes de plaisir. C'est 20 minutes de plaisir. Monstrueux. Ouais, bah Madgus, tu casses les couilles. Madgus, tu casses les couilles parce que j'avais mon top 3 dans ma tête. Et là, tu viens tout chambouler, quoi. Tu viens casser les couilles à tout le monde. Là, tu viens littéralement casser les couilles à tout le monde, Madgus. Là, waouh, vous m'avez régalé. En fait, ça a fait crescendo. Vous êtes trop fort, vous êtes monstrueux. Bien évidemment, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à y lire aussi le big boss, les trickshots de cette douce vidéo. Bien évidemment, leur chaîne est en description. Je vous le rappelle, c'est important. Je pense que la vidéo, les gars, a été suffisamment longue. En tout cas, merci à vous, toutes les personnes qui l'auront regardé jusqu'à la fin. Je pense que là, vous m'avez explosé mon watch time. Bien évidemment, si vous êtes nouveau et pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. 5000 pouces bleus, on continuera la série. Et sur ce, salut bande de fous.